pour nga am marché da ngay compétir da ngay dem jënd kay na sarge ñu soumissioner yeneen sénégalais comme yow soumissioner ñu xol offre bi gën ak technique bi gën ki gën dossier ñu jox la marché bi dafa am lu xaw crous moy jeu yeuk takko dafa moy gérer le restaurant numéro 1 dañ ko joxal un dañ ko defal un marché non seulement qui n'est pas marché de clientèle marché bi marché bu nekku marché clientèle ci restaurant yi 1 an la wara durer il s'est trouvé que ñu défé 1 an crous bëgg renouveler contrat demander DCMP pour ñu signer ko avenant DCMP répondre le marché de clientèle bind le lettre kon marché mënul pas lu nekk lu 1 an il faut ngeen attribuer ko wala ngeen demander conseil à l'ARP le crous a écrit à l'ARP une lettre pour voir que comme contrat bi jeex na DCMP néna du marché de clientèle duñu ngi statué ci DCMP statué bind lettre crous né effectivement du marché de clientèle il avoue l'ARP avoué né du marché de clientèle donc bu nekk marché de clientèle 1 an au délai ba paré nañ né len légui effectivement du marché de clientèle mais le GIE Keur Takko bayi len ko mu togg pendant 6 mois le temps ngeen lancer marché bi té pourtant depuis octobre GIE Keur Takko togul té restaurant ay dox parce que amna kenn ko gagner restaurant numéro 2 bon de extension di def liñu nane dañu wara def concurrence di def concurrence bi nga am parce que bu restaurant bi togué li ben bi lan lay togg té kenn déggul ben étudiant plaigné situation de octobre à nos jours il y a la paix totale au niveau des restaurants kenn déggul ben étudiant né lay togg baxul lay lek baxul il s'est trouvé que l'ANP dem ci souf un deal am ci sen digënté mom ak le repreneur deal bo xamné pour le moment je garde le je colle tout ce deal qui est extrêmement grand qui coûte des millions dans ce pays ñu nañ ko jox mu togg 6 mois maintenant 6 mois bu contrat bu toggé 6 mois bu féké procédure bi jéxul dañ ko dal prolonger dafa ko ay 2 mois 3 mois ce qui veut dire le gars man na consommer 1 à 2 milliards sans pour autant mu gagner le un marché donc c'est un marché gré à gré ñun en tant que syndical de la maison d'accord ñu ci vol bob sacc bi na am ci kër gi parce que lo xamné la moitié du budget du cours moitié dem lepp luñ koy joxé dafa nek lu transparent mëna jox sénégal yépp sen chance mais waji marché diex na le cours nako def réussi wala mo def extension du restaurant numéro 2 bi xamné marché génn na wala ñu sét ben cours mais ki xamné marché diex na depuis octobre togul il a quitté le cours nekul bi cours GIE Keur Takko ñu andi wat ko pour des tractations yo xamné ci ARP ak la direction du cours nous disons non en tant que sénégalais nous disons non en tant que secrétaire général du syndicat et cette affaire biñ ko baye mu dem s'il faut porter plainte à l'établissement nous allons porter plainte à l'établissement nous allons porter plainte à l'ARP s'il veut parce que mënu jox nit marché mu ko exécuter dans le Sénégal qui coûte des milliards ba prêt gagner wo marché bi Biri Mandia secrétaire général national du STSU secrétaire général adjoint de la CNTS coordinateur de l'élu personnel et représentant des travailleurs au conseil d'administration du CROUS. Donc, c'est moi qui représente tout le personnel du CROUS au conseil d'administration du CROUS. C'est important aussi. Ce qui se passe au CROUS, c'est qu'on est en train d'orchestrer une deal de plus d'un milliard de francs CFA pour enrichir un Sénégalais qui n'a pas compati, qui n'a pas fait de compétition. Parce que je pense que pour gagner un marché, pour avoir un marché, il faut gagner un marché. Il faut un marché dossier d'appel d'offres. Les Sénégalais soumissionnent, alors vous la gagnez avec la transparence, on vous donne un marché. Mais je n'ai jamais vu un contrat spécial pour un montant de plus de 1 milliard de francs, là où le restaurant a fonctionné de octobre à nos jours, sans ce gars. Pourquoi ramener le gars pour lui dire que venez, vous pouvez gagner un restaurant de 1 milliard et quelques. Et pourtant, le CROUS a géré ce restaurant sans problème. Le gars, non seulement il ne fait pas la qualité, il n'a jamais fait la tête dans l'université. Les étudiants qui l'ont décliné devant tout le monde. Deuxièmement, ce gars, son contrat est terminé. Signé par DCMP qui a notifié au CROUS que le gars, son contrat est terminé. Approuvé même par l'ARNP qui dit qu'effectivement son contrat est terminé. Mais donne-lui un contrat spécial de 6 mois. Et nous savons comment ça se passe. Au bout de 6 mois, si le contrat n'est pas encore... Si le marché est lancé, le marché, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi lancer le marché de le gars qui n'a pas encore gagné le marché a déjà commencé à cuisiner? Il faut que le CROUS pour faire la régie pendant que tous les Sénégalais vont compter au même pied d'égalité. Mais donne le gars commencer de cuisiner et pourquoi, à quel titre? Et pourtant, ces cas de figure sont déjà présentés au CROUS pendant 2 ou 3 fois
ça n'a jamais été, on n'a jamais appelé le repreneur sortant pour Cuisine. Cuisine a toujours fait une extension. C'est lui qui a gagné le marché sur la numéro 2, fait extension dans l'autre restaurant, parce qu'il a déjà un marché. Ou bien, on fait la régie. Pourquoi exceptionnellement aujourd'hui, l'ARP accorde cette faveur à un Sénégalais comme ça, qu'il gagne 1 milliard et quelques. 1 milliard, ça peut même aller jusqu'à 2 milliards, parce que tant que la procédure n'est pas éduquée, la procédure au marché, on peut même les traîner jusqu'à presque un an. Vous savez, le restaurant qu'on vient de finir, boucler, il y a de cela 1 ou 2 mois, ça a fait presque un an. Tout ça, pendant tout ce temps, le gars va cuisiner sur quelle base? Il va payer sur quelle base? D'une montagne de 1 à 2 milliards de francs CFA? Ça, c'est du vol dans ce pays. Et nous le décrions, nous n'accepterons pas cette vol, ce part dans notre établissement. L'argent public doit être géré d'une manière saine.